Esprit, et la voix de Shalabama,
Jéhovah Nissi. Est-ce qu'on peut acclamer Jéhovah Nissi? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui vit de génération en génération? Est-ce que tu peux faire mieux que ton voisin? Est-ce que tu peux acclamer celui qui était mort? Celui qui n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Thank you.
Dieu, j'aimerais que nous élevons nos voix, dire à Jésus ce qu'il est encore. Est-ce qu'il est le guérisseur? Est-ce qu'il est celui qui a restauré ta famille? Est-ce qu'il est celui qui a donné un sens à ta vie? Est-ce qu'il est celui qui a restauré, bien-aimé, tes enfants? J'aimerais que nous puissions nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous puissions élever Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Pendant que le piano jouera, nous allons élever Jésus. Si tu vas l'appeler Sabaoth, si tu vas l'appeler Lombé, si tu vas l'appeler King, si tu vas l'appeler je ne sais dans quelle langue, bien-aimé, commence à élever ta voix. Bénis Jésus, célèbre Jésus. L'abbé Jean-Lemand de Calais, tu es le Dieu de ma vie, tu es le restaureur de ma vie, tu es celui qui a restauré toutes choses, celui qui a restauré toutes choses. Tu es celui qui a restauré toutes choses. Nous t'élevons, notre Seigneur. Nous t'élevons, mon Sauveur. Nous t'élevons, mon Rédempteur. Nous t'élevons, mon Bouclier. Nous t'élevons, mon Père. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, Papa. Nous t'élevons, Éternel. Nous t'élevons, mon Dieu. Sois élevé, Jésus. Tu es tout ce que nous avons de plus cher. Tu es tout ce qu'on a de plus cher. Tu es tout ce qu'on a de plus cher. Tu es tout ce qu'on a de plus cher. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, en dehors de Jésus, il n'y a point de vie. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. Il a dit, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Oh, Père, merci. Tu es tout ce que nous pouvons chercher dans ce monde. Tu es le tout. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. Le Dieu qui est présent, reçois la gloire. Le Dieu vivant, reçois la gloire. Le Dieu de gloire reçoit la gloire. Le Dieu véritable reçoit la gloire. Le Dieu fidèle reçoit la gloire. Le Dieu qui ne ment pas reçoit la gloire. Reçoit la gloire, reçoit la gloire. Pas un homme, mets-toi Jésus. Pas une femme, mets-toi Jésus. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire. Les 24 vieillards sont en train de jeter leur couronne en disant ce n'est pas nous qui méritons, mais c'est toi qui mérites. Mais c'est toi qui mérites. Mais c'est toi qui mérites. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui peut dire c'est toi qui mérites? Ce n'est pas moi. Malgré le costume que j'ai, malgré la robe que j'ai, mais c'est toi qui mérites. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Y a-t-il des victorieux en ce lieu? Y a-t-il des victorieux en ce lieu qui peuvent acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Clame et chante les mantecos. Oh, Père!
s'asseoir pour t'écouter. Nous voici dans cette petite salle, avec des cœurs assoiffés, avec des cœurs assoiffés. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Parle à nous. Est-ce que tu peux dire à Dieu, parle-moi. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi. Se tenir debout sous cette atmosphère. J'aimerais inviter l'orateur du jour. Dieu nous a fait grâce de la voir. Très souvent, il est ici sous une autre casquette. Mais moi, je crois en la grâce que Dieu dépose dans la vie de chacun de nous. Et aujourd'hui, celui qui va nous bénir au travers de la parole de Dieu, j'aimerais qu'on se mette debout pour pouvoir honorer l'homme de Dieu. C'est toujours une joie d'écouter la parole du Seigneur. Et pendant ces quelques minutes, ces 35-40 minutes, bien aimé, je crois au plus profond de mon cœur que Dieu va me parler. Et toi aussi, il va te parler. Et il est écrit, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra la bénédiction du prophète. Il est venu en tant que prophète de Dieu, la bouche que Dieu va utiliser pour que nous, Église Amour Éternel, nous soyons bénis. Et j'aimerais que avec joie, nous acclamions le Seigneur pendant que j'appelle l'homme de Dieu, Christ. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Non, là tu as acclamé pour moi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je pensais que tu avais compris, il s'agissait de Dieu. Amen. Wow. Amen. La majorité de l'église me connaissent. Je ne suis pas un visiteur. Mais lorsque je viens ici, je me sens chez moi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie à l'honneur de Dieu? J'aimerais qu'on élève le Seigneur. J'aimerais qu'on élève encore le Seigneur très fort. Yes. Est-ce qu'on peut juste arranger mon micro? Est-ce qu'on peut juste m'aider à arranger le micro, s'il vous plaît? Augmenter un tout petit peu pour que je ne pousse pas trop la voix. Merci, on peut s'asseoir. Je tiens premièrement à remercier l'homme de Dieu, le pasteur Roda, pour la marque de confiance qu'il nous a fait. Il y a plusieurs orateurs, mais s'il nous a choisis, c'est simplement la grâce de Dieu. Amen. Et je rends également grâce à Dieu pour la présence de tous les hommes de Dieu. Je vois le prophète. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Et je vois également
le pasteur Junette. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie, pour sa présence? Merci. Et lui, il est également un ami pour moi, le serviteur de Dieu, Samuel Elroy. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa présence? Ainsi que tous les serviteurs, peut-être je ne connais pas les serviteurs. Ok. Bon, acclamez Dieu pour votre présence ici. Merci. Alors, tu vas m'aider à regarder ton voisin. De lui dire, voisin. Non, tu as peur de ton voisin? C'est ton frère. Dis-lui, voisin. Voisin. Ou voisine, je ne sais pas. Le thème de cet après-midi. Dieu est fidèle. Je crois fermement que chacun de nous a reçu une promesse de la part de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit que c'est aujourd'hui qu'il doit expérimenter et comprendre certaines choses concernant sa fidélité. Amen. Alors, je vais te demander simplement de me prêter ton attention. Ne permets pas à ton voisin. Regarde encore ton voisin. Dis-lui, voisin. Laisse-moi tranquille. Ah, il a compris, il ne va pas te déranger, ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, je disais que notre thème d'aujourd'hui, c'est Dieu est fidèle. Amen. Je vais essayer de commencer par définir ce que c'est. C'est qui une personne qui est fidèle? Alors, la personne qui est fidèle, c'est une personne qui remplit ou respecte ses engagements. Amen. Et on peut dire aussi, c'est une personne dont les affections, les sentiments envers quelqu'un ne changent pas. Quelqu'un m'a compris? C'est une personne dont les affections, les sentiments envers quelqu'un ne changent pas. Je voulais dire à l'église des dieux. Je voulais dire à l'église des dieux ceci. Nous les hommes. Amen. Ceux qui nous rejoignent, laissez-leur s'installer. Ça se passe ici. Amen. Alors, je voulais dire ceci. J'étais en train de définir. La personne qui est fidèle, c'est une personne qui remplit ou respecte ses engagements. Et où on peut dire, c'est une personne dont les affections, les sentiments envers quelqu'un ne changent pas. Amen. Nous les hommes, on applique la fidélité pour devenir fidèle. Mais Dieu exerce sa fidélité en nous parce qu'il est fidèle. C'est différent. Quelqu'un m'a compris? Le caractéristique de la fidélité, nous les cherchons d'être fidèles envers nos conjoints, envers nos engagements lorsque nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu, que sais-je encore. Mais lorsque Dieu manifeste sa fidélité, ce n'est pas pour te prouver que je vais devenir fidèle, mais il est fidèle. Raison pour laquelle, lorsque ce qu'il t'a promis tarde, tu dois être simplement patient. Parce que lui n'est pas un homme. Non, ça c'est après, je vais dire ça après. Saint-Esprit, permets-moi d'aller doucement. Amen. Alors, prenons psaume. J'aimerais que quelqu'un m'aide à lire pour que je ne sois pas le seul à parler. Psaume chapitre 91 ou 91, versets 4 à 7. Amen. Nous sommes dans psaume chapitre 91, versets 4 à 7. Yes, merci. Alors, psaume 91, le verset 4 à 7. Yes. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Juste avant de continuer, est-ce qu'on peut répéter cette phrase? Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et Encore. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. On peut avancer. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Merci Jésus. Ce sujet est tellement, comment on dit,
Il y a plusieurs facettes de parler sur la fidélité. Soyons vraiment très attentifs. Je toucherai plusieurs choses. Même moi-même, j'avais du mal à essayer de rassembler certaines choses parce qu'il y en avait tellement beaucoup. Mais je crois fermement que le Seigneur nous fera du bien aujourd'hui. Alors, pourquoi Dieu est fidèle? Je vais d'abord relire le verset 4. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Chez moi, on dit comme ça. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors, pourquoi Dieu est fidèle? Premièrement, c'est pour te protéger contre les ennemis. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible ne présente pas Dieu seulement comme étant un refuge. Mais il nous présente également comme étant un Dieu fidèle. Mais le premier point que je voulais toucher, c'est que Dieu est fidèle premièrement pour te protéger contre toute attaque de l'ennemi. Alors, pourquoi bouclier? La question qu'on se pose. Parce qu'il a dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors, pourquoi la fidélité de Dieu est un bouclier? C'est pour te rassurer face aux difficultés du monde, face à l'adversité, face aux difficultés, que tout simplement lorsque tu seras face aux défis, face aux combats, et que sa fidélité sera pour toi un bouclier. Amen. Prenons Éphésiens chapitre 6, verset 16. Nous allons beaucoup lire parce que j'aime ce que j'ai dit soit soutenu de la parole de Dieu. Pourquoi la fidélité de Dieu est un bouclier? La question qu'on se pose. Pasteur Jeannette, si vous pouvez me prendre d'après Éphésiens 6, 4, 14. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Prenez donc, ou prenez par-dessus tout, les boucliers de la foi. Ici, je voulais nous dire quoi? C'est que si la foi est pour toi un bouclier, ça veut dire que Dieu est pour toi un bouclier. Amen. Parce que lorsque nous avons la foi en Jésus, en fait, notre assurance n'est pas basée par rapport à nos compétences, par rapport à notre technique de combat, mais par rapport à la foi qui est pour nous un bouclier. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez constater une chose, c'est que lorsque Dieu dit la foi pour nous, plutôt, c'est là le bouclier de la foi. Entre autres, un homme de foi, tu ne peux pas être un homme de foi sans pourtant croire à la fidélité de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Heureux l'homme qui a cru sans avoir vu. En fait, tu ne dois pas attendre d'abord de voir. Dieu t'est protégé, t'est secouru pour dire que Dieu est pour moi ou sa fidélité de Dieu est pour moi un bouclier. En fait, tu précèdes la victoire ou la protection que Dieu va t'attribuer face à l'adversité quelconque. Quelqu'un me comprend? Pourquoi la fidélité de Dieu est un bouclier? Lorsque tu arrives devant un combat, tu actives ta foi, pas dans l'idée d'abord de combattre, mais de se dire, face à cette adversité, j'active ma foi, le Seigneur est mon rédempteur. Même si ce combat dur, même si cette situation, cette maladie a si longtemps demeuré dans ma vie, les yeux fixés sur la fidélité de Dieu. On peut lire dans nos Bibles le verset qui nous donne l'âge que l'homme peut quitter la terre. C'est pourquoi vous allez constater, même un occultiste qui ne croit pas en Jésus, quand il y a l'accident, il crie Jésus. Pourquoi? Parce que même eux-mêmes, leurs maîtres savent que la fidélité de Dieu est un bouclier. Parce que c'est l'une des armes. On dit quoi? Une arme? C'est l'une des armes spirituelles de Dieu nous a donné face au combat. Amen. Amen. Merci Jésus.
dans le contexte que je dis, errer l'homme qui a cru sans avoir vu, c'était le contexte de Thomas, lorsque Jésus-Christ était ressuscité. Lui ne croyait pas. Ne sois pas le Thomas de ta destinée, s'il vous plaît. Ne sois pas le Thomas lorsque le combat s'élève de se dire, est-ce que Nakolonga? Est-ce que le problème c'est toi ou c'est Dieu? Quelqu'un me comprend? Lorsque les difficultés arrivent, lorsque tu es face à l'adversité, mais dis-toi, contre les flèches de l'ennemi, contre les attaques du diable, la fidélité de Dieu est un bouclier. La fidélité de Dieu est un bouclier. Dieu ne te garde pas parce que tu les crains plus que les autres. Je ne pousse pas à ne pas craindre Dieu. Parce que ceux qui sont morts à cause de Covid, peut-être eux marchaient en intégrité du Seigneur plus que nous tous ici. Mais Dieu t'a gardé. Parce qu'il attend ce qu'il a promis pour ta vie s'accomplisse d'abord. Tu ne vas pas mourir. Qui t'a dit tu ne vas pas y arriver? Je vais vous choquer. Même ton père. Amen. Ce que Dieu a dit ne peut pas le détruire. Parce que Dieu ne se répond pas de ses noms. Lorsqu'il t'accorde quelque chose, le problème maintenant, ça devient toi-même. De quelle attitude as-tu pour toucher ou y accéder dans ce que Dieu a prédestiné pour ta vie? Amen. On va aller vite parce que le temps. Amen. Alors, on va sauter, on va prendre. Pourquoi cuirasse? On a dit que la fidélité de Dieu est un bouclier et une. Pourquoi cuirasse? Éphésiens chapitre 6, verset 14. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Quelqu'un peut dire revêtez la cuirasse de la justice. Vous savez, Dieu nous recommande d'être revêtus de la cuirasse de justice. Plus loin, on nous a dit la fidélité de Dieu est un bouclier et la cuirasse. Ici, on nous dit revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Pourquoi? Parce que Dieu dans les cieux est assis sur le trône de la justice. Et il veut que sa justice soit répandue sur la terre. Sur cette terre, le diable est l'ennemi de la justice. Le diable, lui, il est caractérisé pour essayer de détourner la justice de Dieu. Amen. La Bible ici voulait nous dire simplement ce que face à l'injustice qui est liée, qui est attachée à nous sur cette terre, portons la cuirasse et la justice. Comment? En ayant d'abord les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Lorsque tu fixes d'abord tes yeux sur la promesse de Dieu, face au combat, face à l'adversité, premièrement, par la suite, il faut le porter. Ça veut dire appliquer la justice de Dieu sur la terre. Tu aimeras ton prochain, c'est la justice de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu nous a recommandé. Amen. Et il nous a dit encore. Oui. Voilà. Porter cette armure de la justice. Lorsque Dieu nous dit, il faut avoir compassion de ton frère. C'est la justice de Dieu. Lorsque Dieu nous dit gardez silence, c'est la justice de Dieu. Le problème c'est que nous nous gardons silence quand on a tort. Quand on a raison, on est les premiers à parler. Au début je disais, ce n'est pas parce que tu as raison, parce que tu es compétent, que tu dois forcément parler. Et la victoire n'est pas attachée à cela. Je parle de la justice de Dieu. Parce que même chez nous, surtout en Afrique, la justice est corrompue. Quelqu'un me comprend? Pratiquons la justice de Dieu. En portant, non seulement porter, d'abord tu fixes les yeux sur la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Face à l'adversité, gardez silence.
le Seigneur combattra. Amen. Mais vous pensez que Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, c'est pour vous flatter? N'est-ce pas, faut lui rappeler ce qu'il a dit. Maintenant, quand les soucis arrivent, et le pire des saints, certains vont consulter les charlatans. Quelqu'un m'a dit, son oncle a tout perdu à la maison, au Congo. Ils vont consulter les huissiers au Congo. Vous savez ce que la police lui dit? On travaille avec les Nganga. Si vous voulez qu'on localise la personne en question, est-ce que ça c'est la justice? Est-ce que ça c'est la justice? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Le silence dont je parle, ça veut dire c'est taire devant les hommes, mais sois bavard devant Dieu. Alors que tu arrives devant Dieu, tu laisses tout entre ses mains. Je ne dis pas de garder silence parce que souvent plusieurs personnes ils sont dans la prière. Mais c'est là-bas, n'est-ce pas, qu'il faut accuser les diables. Mais là, déjà lui-même c'est un accusateur. Pourquoi pas nous on va l'accuser auprès de Dieu? Amen. Notre problème c'est que lorsqu'on arrive face à l'adversité, on se précipite. C'est comme si nous... Bien sûr, la victoire nous appartient. Mais ayons d'abord les regards fixés à la fidélité de Dieu. Prendre sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Frères et sœurs, croyez-moi. Tout problème que nous traversons, ça a déjà existé avant. Il y a eu des remèdes. Rien de nouveau. L'homosexualité, déjà. Quoi? Les papiers? Moi, j'ai les papiers, j'ai pas souffert. Parce que mon père avait souffert. Tu peux venir dans ces pays, tu n'as rien. Mon père a fait des échafaudages. Quand il me raconte ça, je rigole, je me moque de lui. Mais parce que lui, il a souffert en cela. Nous, on a bénéficié de quelque chose. Mais tu arrives dans ces pays, tu n'as pas les papiers. Mais qui t'a dit tu vas rester comme ça? N'est-ce pas Dieu a dit partout où vous les ne prie pas dans l'idée d'aller séduire Dieu et de faire quelque chose. Moi, un jour, je suis parti dans un entretien. J'étais tellement convaincu. Je suis sorti. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? N'est-ce pas, tu nous as dit, partout, foulera vos pieds. Je dis, Seigneur, je foulais mon pied ici. C'est ici que je dois travailler. Amen. Et ils m'ont rappelé pour me dire, on retire votre candidature. J'ai regardé ma mère, j'ai dit, maman, on m'a retenu. Ah bon? J'ai dit, gloire à Dieu. La fidélité de Dieu. Moi qui vous prêche ici, je peux vous mentir. Voilà, il faut que je sois comme ça. Pour qu'on comprenne bien. Moi qui vous prêche ici, je peux vous mentir. Nakoko Sabino. Amen. Oh, n'est-ce pas? Nous avons. Bon, je ne suis pas là-bas. Moi, je dis seulement, moi qui vous prêche ici, je peux vous mentir, parce que je suis énorme, je suis faillible. Mais la personne que je vous présente ce soir, il ne ment jamais. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc la repentance, ça ne lui concerne pas, dans le sens où d'aller se repentir. Non, il se repentir, il est la vérité. Il dit, je suis Azali. Donc ça veut dire la fidélité. C'est lui. Il est la fidélité. Il est fidèle. Amen. Prenons à porter ces armes. La foi en Jésus qui est pour nous un bouclier face à l'adversité, face aux problèmes. Après avoir fixé, moi je dirais même pour fixer les yeux vers l'Éternel, concernant sa fidélité, tu dois d'abord avoir la foi. Parce que tu n'as pas encore vu, mais tu réalises que ce qu'il a dit va l'accomplir. Amen. Par la suite, tu ne dois pas te focaliser sur la justice, même si tu vas accuser quelqu'un. Ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que non, il ne faut pas aller porter plainte. Parce qu'on est sur la terre, on doit respecter certains normes. Mais en allant pour tes plaintes, il y a la justice par excellence. Amen. Parce que plus tard, nous allons voir ce que Dieu
Jésus-Christ lui avait appelé. Ponce Pilate, pour la troisième fois, la Bible dit, reconnaît que Jésus-Christ n'est pas coupable. Mais à cause de l'injustice de la terre. Mais avec Jésus, c'était une autre chose. En faisant l'injustice, il aidait à accomplir la mission qu'il avait. Mais nous ne sommes pas là-bas. Amen. Alors, pourquoi Dieu est fidèle? Prenons Luc chapitre 18, à partir du verset 7. Et quelqu'un peut me prendre déjà Habacuc chapitre 2, verset 3. Nous sommes d'abord dans Luc chapitre 18, verset 7. Est-ce que quelqu'un est béni? Gloire à Dieu. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Non, Luc 18, à partir du verset 7. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Amen. Amen. Ici, c'était le Seigneur qui parlait pour quelqu'un qui... c'était une femme qui était veuve. C'est ça l'histoire, pasteur. C'était une femme qui était veuve et est allée demander que justice à un juge qui était injuste. Inique. Amen. Et lorsque ce juge a vu que cette femme était constamment en train de lui demander, et ce juge, au final, a fini par lui faire justice. Il lui a révélé ce qu'elle devait posséder. Amen. Maintenant, Dieu dit, si ce juge injuste a fait justice à cette femme, et Dieu ne le fera-t-il pas pour ses élus qui prient pour lui, qui crie en lui jour et nuit. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut être bavard dans la présence de Dieu et non dans la présence des hommes. Cette femme n'avait pas lâché. Dieu dit, lorsque tu cries à Dieu jour et nuit, concernant sa justice, la Bible dit quoi? Il leur fera promptement justice. Donc, n'ambalamoka kosala vraiment justice. Face à tes situations difficiles, fixe les regards sur la fidélité de Dieu. Parce que sa fidélité sera pour toi la cuirasse et la justice. Amen. Yes, on va aller vite. Ah. Dieu le fera justice. Premier point, pourquoi Dieu est fidèle? Bon, il y aura plusieurs points. Tout ce que j'ai dit, je n'ai même pas réussi à classer certains idées. Mais je sens que le Saint-Esprit est en train de parler à une personne. Prenons premier point. Pourquoi Dieu est fidèle? C'est pour te garantir à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire, Dieu est fidèle pour me garantir. Amen. On va aller doucement. Dieu est fidèle pour me garantir. Dieu est fidèle pour me garantir. À vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Ah, je pensais que tu allais même acclamer parce que c'était fort. Parce que... Il est fidèle pour te les garantir. Nous sommes dans Habacuc chapitre 2, verset 3. Ici, nous avons compris que nous devons porter ces armes, qui est la foi et la cuirasse de justice. Maintenant, nous sommes concernant la promesse de Dieu. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Oh. Il n'y a pas un livre qui est précis que la Bible. Yes. La Bible ne dit pas seulement elle s'accomplira. Virgule. Ça continue. C'est pas fini. Elle s'accomplira, mais certainement. Il n'était pas obligé de nous rassurer parce qu'on sait qu'il est fidèle. Mais il nous a quand même rassuré que certainement, elle s'accomplit.
Quelqu'un pourra dire, mais Dieu parle. Mais moi, je n'ai jamais entendu Dieu. Comment Dieu parle pour recevoir sa promesse? Dieu peut te parler par des songes. Dieu peut te parler par des visions. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de faire si Dieu nous parle? Parce que moi, Dieu est en train de me parler. Je pense qu'il parle à nous tous ici. Dieu peut te parler au travers de ton pasteur. Dieu peut te parler aussi au travers des... Là, lorsqu'on dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. C'est ça la vraie vérité. Tu as besoin de la prophétie. Ouvre ta Bible. Je ne suis pas contre ce que les hommes peuvent prophétiser, mais regardez la prophétie par excellence. C'est la parole de Dieu. C'est là où se cachent les promesses de Dieu. Amen. Parce que quelqu'un va dire, oh, il combat la prophétie. Non. Amen. Lorsque Dieu te parle au travers des serviteurs de Dieu, au travers des songes, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger lorsque tu rêves de quelque chose que tu es en train, pendant que tu es en train de dormir. Il ne faut pas le négliger. Ça m'est arrivé de rêver sur quelque chose, de prier pour ça, de croire à la fidélité de Dieu et voir cela s'accomplir. Amen. Il veille toujours sur sa parole. Il veille toujours sur sa parole pour son accomplissement. Lorsque Dieu te fait la promesse, ne sois pas pressé. Il faut être patient. Abraham, Dieu lui a fait la promesse. Je vais paraphraser. Il était âgé de 75 ans. Lorsque Dieu lui dit, je ferai de toi une nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Dieu lui a promis cela. Mais c'est à 100 ans que certaines choses que Dieu lui avait dit s'accomplissent. 25 ans d'écart. Il a eu à faire des erreurs aussi. Abraham ne doit pas seulement nous enseigner par rapport à la foi. On peut dire entre autres, il devait seulement entendre Azelakaka, de ne pas écouter ce que Sarah lui avait dit. Parce qu'à cause de cela, nos frères kamikazes sont là-haut. Amen. À cause de ça, nos frères qui bombardent le monde sont là. Parce que la servante de sa femme était égyptienne. Et parce que, pourquoi je parle de ça? Parce que c'était un enfant qui était en dehors de la promesse de Dieu. Quelqu'un me reprend? C'était un enfant qui était en dehors de la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, il précise, il dit, ton unique. Ton unique. Mais il y a aussi Ismaël. Mais pourquoi tu nous parles de ton unique? Tu penses que Dieu, ce n'est pas lui qui avait permis à ce que l'autre tombe enceinte? C'est Dieu qui l'avait permis. Ça veut dire que lorsque les promesses attardent, la promesse tarde, je voulais dire, si tu te précipites, tu risques de toucher Ismaël. Tu risques de toucher quelque chose que tu penses que ça, vraiment, tu penses que ça, mais or, qu'il se passe. Et c'est après que tu vas te rendre compte. Je ne suis pas en train de dire que de mettre un enfant Ismaël à la maison, je ne parle pas de ça. Je parle de la promesse de l'accomplissement de Dieu. Amen. Abraham, entre autres, la situation, parce que c'est Dieu lui-même, vous pouvez me confier, c'est Dieu lui-même qui avait rendu sa femme stérile. À cause de cette situation, Abraham, ça se voyait que ma personne passe en ordre. Il dit, est-ce que tu peux prendre ma servante, tout ça? Ah, Abraham, moi j'attendais voir Abraham refusa. Mais le vieux a accepté. Et quand il a accepté, ils sont allés. Et
nos frères Kamikaze. Mais la promesse de Dieu, la promesse de Dieu, même si elle tarde, fixe les yeux sur la promesse et sur la fidélité de Dieu. Que les combats ne te poussent pas à manger ou à déstabiliser ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Ne prenez pas le mariage Ismaël. Ne prenez pas, je qu'essais-je encore, des choses de ce monde qui sont Ismaël. Mais prenez les choses au bon temps fixé par Dieu. Amen. Il a dit à Jérémie, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour son accomplissement. Avant que tu sois formé, tu n'y étais pas encore sur la terre. Le Seigneur avait déjà planifié. J'aime dire souvent, donc, tout ce que tu m'as dit, je vais vivre, je vais vivre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se précipite. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut toujours être devant. Amen. C'est ça le problème. Il faut attendre le temps de Dieu. Croire à la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Alors que tu es conscient de ça, alors que tu portes toutes les armures, tu dois être patient, tu dois attendre la promesse de Dieu pour s'accomplir. Aujourd'hui, je vois certaines sœurs, dès que tu commences à aller vers les trentaines et que tu n'as personne, elles commencent à stresser. Qui a mis cette limite? Il a dit tout. Si j'avais son adresse, alors ma lettre recommandée pour lui dire qui t'a dit ça. Vous savez, Sarah a eu l'enfant à quel âge? C'est que les médecins vont déclarer ménopause. Amen. Je ne dis pas aux sœurs, ne vous faites pas belle parce que la promesse va venir. Non. Restez naturel. Faites ce qui est bien pour vous. Le mariage, c'est Jésus qui nous donne. Amen. La promesse de Dieu, elle finira toujours par s'accomplir. Celui qui croit à Dieu ou celui qui croit que Dieu est fidèle est en retour fidèle à la mission que Dieu lui a confiée. Maintenant, tu as compris que Dieu est fidèle. Toi, en retour, sois aussi fidèle à la mission que Dieu t'a confiée. Le Seigneur, lorsqu'il fait du bien, il ne le fait pas pour s'attendre à ce que toi, tu puisses le donner en retour. Mais soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. S'il s'agissait de notre motivation pour que Dieu nous fasse du bien, personne ne sera ici. Personne. Dieu ne regarde pas ça. Mais cela doit engendrer une offrande de reconnaissance. De se dire, si Dieu m'a donné ce souffle de vie, je dois le servir comme il se doit. Tu as le protocole, tu dois le faire. Tu es un prédicateur, tu dois le faire. J'ai pas fait tomber quelque chose. Tu es un prédicateur, tu dois le faire. Amen. Jésus-Christ est notre modèle sur la terre de la fidélité. Il était fidèle à la mission que le Père lui a confiée. La question a été posée, qui était dit d'ouvrir les livres de vie et d'en rompre les sceaux? Personne. Personne, je dis bien personne, l'avait accepté. Mais Christ l'a accepté. Arrivé sur la terre, il était tenté. Après un jeûne de 40 jours, 40 nuits, l'Ève dit, le diable le transporta en esprit dans le désert. Il a vécu des tentations. Après, c'est à la montagne. Il a tenu bon. Peut-être toi, tu n'as pas la capacité de tenir ferme jusqu'à la fin comme Jésus. Mais lorsque tu tombes, tu dois te relever vite. En ayant la fidélité de Dieu ne doit pas nous rendre fainéants à ne plus se repentir. Oh, Dieu est fidèle. Dieu va me garder. Il m'a promis. Je vais les toucher. Il ne se répond pas de ses dons. Oui. Mais lorsque tu tombes, relève-toi. Celui qui croit à la fidélité de Dieu croit à la notion de repentance.
Tu ne peux pas dire que Dieu me fera grâce, il est fidèle. Je commets le péché, parce qu'il y a des gens qui ne tombent plus et ils sont endormis. C'est-à-dire le mal qu'il a commencé à faire il y a cela des années. Vous savez, j'aime dire souvent, la culpabilité qui vient après un péché vient de Dieu. C'est comme une alarme. Mais après une repentance sincère, cette culpabilité-là ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que ça va t'empêcher à te relever. Ça va t'empêcher à continuer ta marche avec le Seigneur. Quand tu viens servir Dieu, tu te vois sale. Je voulais garantir à quelqu'un, la repentance existe. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les a, vous et le délaisse, obtient la miséricorde. Cela veut dire, ne prends pas seulement la décision de te repentir, mais prends aussi la décision d'arrêter. Prends aussi la décision de faire quoi? Amen. Et ça, ça fait partie aussi de la fidélité de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a dit ça. Donc si tu appliques cette... Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Comment on peut dire que Dieu est fidèle et je dois demeurer dans la vie de péché? C'est pas normal. Parce que dans sa fidélité, dans ce qu'il nous a dit, il nous parle aussi de la repentance. De sa parole, n'est-ce pas? N'est-ce pas Christ est la parole faite chair? N'est-ce pas celui? Et vu que Christ qui est Dieu est fidèle, c'est qu'il est fidèle à sa parole. Amen. Et Christ arrivait à la montagne des Oliviers. Luc 22, chapitre 22, verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Mais j'aime la suite. Toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Lorsque tu laisses la volonté de Dieu se manifester dans ta vie, c'est que non seulement tu es fidèle, mais tu crois aussi à la fidélité de Dieu. Christ étant sur la terre, il avait une mission à remplir. Il ne pouvait pas abandonner. Mais il a dit, si tu peux l'enlever, mais que cela ne soit pas seulement ma volonté, mais que cela soit ta volonté. Et c'est là que Dieu lui envoya. Fortifier, etc. Ça peut arriver dans la marche sur la terre, dans la mission que Dieu nous a donnée, d'avoir la fatigue, d'être combattu, et tout, etc. Va auprès de Dieu. Va auprès de Dieu. Il t'enverra toujours quelqu'un qui va te fortifier, qui va te parler, qui va te motiver afin de surmonter cette épreuve. Amen. Arriver devant Ponce Pilate. Pilate a reconnu que Jésus-Christ était innocent. Ne connaissait pas tout. Mais Jésus-Christ étant fidèle, vous savez, mon problème, ce n'est pas de me donner raison, toi. Mon problème, ce n'est pas ça. Jésus-Christ était toujours silencieux. Mais nous, quand on a raison, on oublie même que Dieu a mon côté la buisson. Tu sais, donner quelqu'un, je vais le dire bien. Donner la raison à quelqu'un ne signifie pas qu'il a raison. Tu peux seulement lui donner raison pour éviter. Parce que plus tu te défends, plus à plusieurs reprises, je vous dis un témoignage personnel que j'ai donné à ceux qui ont tant raison sont finis toujours par revenir. Mais dites, mon frère, désolé, tu avais raison. Alors qu'à l'église, on chantait. Comme j'encadrais les gens, il y avait un frère qui est venu, il me dit, mais Christ, j'ai constaté une chose, tu es toujours contre moi, tu ne laisses pas trop d'espace, etc. Il m'a taillé devant tout le monde. Vraiment. Et moi, le pasteur me connaissait. Il sait que Christ, il a un caractère. C'est pour ça qu'il prend quand même le temps de diriger certaines personnes qui sont peut-être plus âgées que lui dans la chorale. Il s'attendait à une réponse sévère. Pasteur était là, à chaque fois qu'il me regardait, je me regardais. Dans mon cœur, je disais, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas répondre. Il m'a taillé à un point. Quand il a fini, certains seront venus me défendre. Mais non, Christ n'est pas comme ça. Dit. Mon frère, c'est ça que tu constates ce que je fais.
Ok. En tout cas, si je le fais, pardonne-moi. Dans mon idée, c'est pas ça. Mais simplement, je te dis, avançons ensemble et enlevons tous ces arrière-pensées. Je suis rentré à la maison, le pasteur m'a appelé, m'a dit, ah, Chris Ogoli. Je me souviens très bien. Chris Ogoli. Je dis, pourquoi vous dites ça? Il m'a dit, parce qu'il était connaissant à l'époque. T'allais vite répliquer. Et en plus, les gens étaient pour toi. J'ai dit non. Et ça n'a même pas pris 2 mois. Le frère est venu me dire, je ne parle que sur la chair. Le frère est venu me dire, mon frère, je suis désolé. J'ai compris que tu es quelqu'un de bien. En plus, il venait d'arriver. Donc j'avais vraiment raison de commencer à lui remettre à sa place. Il y a les anciens qui sont là. En plus, les anciens voulaient défendre. Mais je lui ai donné raison. Je voulais dire ceci. Lorsque tu as une mission que Dieu t'a donnée à remplir, fixe le regard. Reste focus sur ce que Dieu t'a dit de faire. Ne regarde pas ce qui se passe. Christ n'a pas regardé. Christ, il avait tout. Tu sais, Jésus-Christ pouvait faire et tous meurent. Il avait ce pouvoir. Mais il avait une mission. Les gens qui étaient là voyaient seulement. Ouais. Ils savent. Amen. Et la foule commence à crier crucifié. Pour la troisième fois, Ponce Pilate a reconnu Jésus-Christ comme étant pas coupable. On va avancer vite, il faut te détendre. Et soyons les chrétiens qui font confiance totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Fixons nos regards sur la fidélité de Dieu, dans sa parole, tout ce qu'il nous a prescrit. Comme je disais, la fidélité de Dieu ne doit pas nous pousser à demeurer dans le mal. L'église de Dieu, ça peut t'arriver de pécher, mais relève-toi. Relève-toi. Dans 1 Jean 1, 9, la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste. Il est comment? Juste et fidèle pour nous les pardonner. N'est-ce pas, serviteur de Dieu? Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et non seulement pardonner, nous purifier de tout. Qui t'a dit, je ne pousse pas à pécher, mais qui t'a dit lorsque tu pèches, tu deviens. Quel terme que je peux utiliser? Parce que souvent, dans notre vie de tous les jours, ça peut arriver de trébucher, de tomber. Mais le Seigneur me dit, il est fidèle à sa parole. Applique ce qu'il a dit. Réponds-toi sincèrement devant Dieu. Tu sais, Dieu n'a pas choisi de regarder les allures du dehors, les apparences extérieures. Mais il a choisi de regarder notre cœur. Et lorsque tu vas devant lui avec un cœur sincère, il est juste et fidèle pour te pardonner. J'ai dit tout à l'heure, celui qui croit à la fidélité de Dieu est lui-même fidèle à l'engagement. Amen. Tu t'es engagé à l'église de donner 50 euros. 50 euros n'est pas 30 euros. Je savais que. Moi-même, j'ai mes amens. Je savais qu'il n'allait pas avoir les amens dans ce que je dis là. Amen. Je te soutiens. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Je n'ai pas seulement dire que Dieu est fidèle. Nous aussi, soyons fidèles à nos engagements. 20 euros n'est pas 10 euros. Amen. Amen. N'est-ce pas, on dit que l'alcool, ce n'est pas de l'eau. 20 euros n'est pas 10 euros. Tu prends un engagement. Tu prends un engagement. Il faut l'honorer. Soyons fidèles dans nos engagements. Dieu t'a confié une tâche. On dit quoi? Une tâche. Dieu t'a confié une tâche à faire. Remplis-les correctement. Soyons fidèles dans ce que Dieu nous a confié. Lorsque Dieu te confie quelque chose à faire, fais-le. C'est comme si, vous voyez que je suis là. Je suis en train de prêcher comme si quand j'ai fini, Jésus-Christ revient. C'est comme si c'est mon dernier souffle. Amen. En fait, je ne dis pas de forcer les choses, mais de le faire bien. Je ne dis pas que je prêche bien. Amen. Mais simplement, donne le meilleur de toi. Amen.
Gloire à Dieu. Tous les meilleurs de toi. Moi, mon père, quand j'étais footballeur, il m'a dit, mon petit, quand tu rentres dans le terrain, joue, c'est comme si c'est ton dernier match. Quand tu finis, ta carrière est finie. On nous demande de faire quelque chose, même préparer par rapport à une manifestation quelconque, faire quelque chose à manger. Ma soeur, mon frère, assaisonner à nous vraiment l'amba et à nous l'aimer, c'est bien. Amen. Faute de temps, on a fini. Je voulais conclure en disant, Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu est pour nous un bouclier et une cuirasse. C'est parce que Jésus était fidèle en mission que nous avons obtenu le salut. Amen. Dans nos difficultés, obstacles, fixons et faisons confiance à celui qui a fait la promesse, qui s'appelle fidèle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Acclamer le Seigneur. Gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui est fidèle? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour sa fidélité? Le Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Pourquoi tu te lasses d'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu fidèle? Pendant que tu l'acclames, que dans ta vie tu vis la fidélité de Dieu. Pendant que tu l'acclames, en ce mois de mars, que tu vives la fidélité de Dieu. Pendant que tu l'acclames, en ce mois de mars, que ta famille vive la fidélité de Dieu. Pendant que tu l'acclames, que ton couple vive la fidélité de Dieu. Pendant que tu l'acclames, que ta santé vive la fidélité de Dieu. Pendant que tu l'acclames, que tes enfants vivent la fidélité de Dieu. Si les hommes comme Abraham ont vécu la fidélité de Dieu, toi aussi, tu peux vivre cette fidélité. Je dis, toi aussi, tu vis cette fidélité. Toi aussi, tu vivras cette fidélité. Il est fidèle. Et il veut que nous aussi, nous soyons fidèles. Fidèle en tant que mari. Fidèle en tant que homme. Fidèle en tant que enfant. Fidèle en tant que serviteur. Fidèle. Il est écrit ce qu'on demande au dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On peut savoir parler, on peut savoir mobiliser des gens, mais s'il manque la fidélité, bien aimé, c'est la chose la plus importante. On peut avoir beaucoup de choses, mais au moment où on n'est pas fidèle, bien aimé, on passe à côté. Lorsque ce serviteur avait reçu les talents, le maître, quand il est revenu, il a dit aux deux serviteurs qui avaient multiplié par deux, fidèle serviteur, fidèle. Et vous allez vous rendre compte que la fidélité est liée à la multiplication. Tout celui qui est fidèle multiplie ce que Dieu lui donne. Oui. Vous voyez, il a dit qu'il forme des gens. Mais il forme des gens au travers de quoi? Du don que Dieu lui a donné. En formant des gens, il se multiplie en eux. Et c'est ça la fidélité. Seigneur, merci pour ta fidélité. Et nous voulons être fidèles. Alléluia. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci pour le message. Et je crois que Dieu a parlé à chacun de nous. Il y en a de ceux-là qui étaient fatigués. Parce que vous avez peut-être connu quelque chose, mais le message nous dit, relève-toi, continue à avancer, avance avec Dieu. Est-ce qu'on peut mettre nos offrandes? Si on peut prendre ce qu'on a prévu, nous allons mettre nos offrandes. La Bible déclare que chacun donne comme il a résolu dans son cœur et avec joie. Et pendant que l'homme de Dieu va nous donner un cantique,
courant derrière le temps. J'aimerais qu'on se mette debout, s'il vous plaît. Et nous allons donner nos offrandes avec joie. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Oh, nous avons Emmanuel, nous avons chante, alléluia, alléluia, chante, alléluia, alléluia, chante, alléluia, alléluia, chante, alléluia, alléluia. Oh, nous avons Emmanuel, oh, nous avons en ce mois de mars, oh, nous avons, chante, alléluia, 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 chante, alléluia, alléluia, chante, alléluia, alléluia, chante, alléluia, encore une fois, ce alléluia, alléluia, chante, alléluia, alléluia, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité, autorité. Autorité, elle t'a été donnée. Autorité, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Ça va finir parce que Dieu est fidèle. Yes. Amen. Les autres qui ont acheté, est-ce qu'ils sont plus beaux que nous? Ils ne sont pas plus intelligents que nous? C'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Bah, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc il peut nous faire grâce aussi. Et il nous fait grâce aussi. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin. Je vais inviter la sœur Agathe pour quelques annonces pour l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'elle passe? Shalom à tous. Alors, pour les annonces de la semaine, donc, on aura prière en ligne donc, mardi et mercredi de 21h jusqu'à 22h, le samedi matin de 5h à 6h, et puis le dimanche.